La colère engendre des phénomènes dans notre organisme qui vont petit à petit nous détruire et nous affaiblir. Il y a maintenant de nombreuses études qui montrent très clairement que la colère ou d'autres émotions qui vibrent plus ou moins à la même fréquence, que ce soit la peur, la tristesse, le stress, tout ce genre d'émotions, eh bien, nous détruit progressivement et peuvent même aller jusqu'à nous provoquer des brûlures d'estomac, des ulcères et d'autres problèmes de santé plus ou moins graves. Une minute de colère correspond à peu près à 4-5 heures du système immunitaire qui va être affaibli. Alors que le rire et la joie va provoquer et renforcer le système immunitaire pendant près de 24 heures. La colère peut même aller jusqu'à déclencher un côlon irritable, c'est-à-dire un côlon qui va être irrité, qui va être enflammé, alors que justement l'inverse, la joie, le bonheur, le rire, eh bien va plutôt calmer ces symptômes. Plus on va ressentir ce genre d'émotion, et plus on va forcément impacter notre corps. L'esprit et le corps étant indissociables, eh bien chaque sentiment, chaque émotion, chaque ressenti qu'on va avoir, eh bien ça va tout simplement impacter notre corps. Par exemple, ces études montrent qu'en fait, eh bien, c'est le système immunitaire qui finit par attaquer justement ces parois de l'intestin, de l'estomac. En fin de compte, on peut être en colère à cause de plusieurs situations, et c'est souvent justement quand il y a une situation qui se passe qu'on n'avait pas forcément prévu et qu'on ne voulait pas forcément qu'elle se passe de cette façon que justement, par exemple, on peut être en colère. On peut aussi être en colère si, par exemple, on n'a pas forcément d'objectif de vie. Étant un petit peu perdu, eh bien, la moindre chose va au final nous provoquer de la colère. D'ailleurs, la colère étant souvent produite par l'esprit, eh bien, comme le corps, l'esprit, pour être déjà moins en colère, a besoin d'être nourri. C'est-à-dire qu'il a besoin d'être nourri, par exemple, en faisant de la méditation, en répétant des mantras, en faisant de la prière, ou encore, par exemple, en faisant du lâcher-prise, en pratiquant le lâcher-prise. Mais il est aussi et surtout important, eh bien, de le nourrir en apprenant, par exemple, chaque jour des nouvelles choses qui vont nous permettre, eh bien, d'aller en direction des objectifs qu'on a à atteindre ou, justement, de nous faire évoluer. Tout simplement, ça permettra à l'esprit d'être nourri et de limiter, justement, la colère qui pourrait être simplement le résultat d'un esprit qui manque au final de nourriture intellectuelle. Par contre, si bien sûr on nourrit cet esprit avec de la nourriture fast-food, avec des informations fast-food, bien sûr, ça ne sera que mauvais. Si c'est des informations qui sont portées sur la peur, sur la tristesse, sur le stress, sur le manque, sur tout un tas de choses qui sont négatives, ça ne fera au final qu'engendrer un mauvais état d'esprit et renforcer peut-être la colère qu'on peut avoir en nous. En tout cas, ça ne sera pas bénéfique pour nourrir notre esprit. Tout ça, ça va être au niveau de l'esprit. Maintenant, au niveau du corps, il y a également une nourriture qui rend le corps mauvais et qui nous provoque de la colère. Et cette nourriture, c'est une nourriture qui va être beaucoup trop acide. L'acide qu'on apporte par une alimentation beaucoup trop acide à notre organisme, eh bien, tout simplement, va engendrer que notre sang va devenir acide. Et le sang acide qui passe dans notre cerveau pour tout simplement nourrir notre cerveau, le faire fonctionner, va provoquer des pics de colère, comme si on envoyait une surcharge électrique, tout simplement dans un circuit électrique, et bien ça fait péter un plomb. Et c'est ce qui se passe dans le cerveau quand on peut avoir de la colère, dont on ne sait pas forcément la source, dont on ne connaît pas forcément la source, et dont on n'a aucune raison normalement d'être en colère. Justement, sur un circuit électrique, il y a ce qu'on appelle des disjoncteurs qui permettent, si par exemple il y a une surcharge électrique, eh bien, de se déconnecter, de sauter de façon à ce que, par exemple, la maison ne prenne pas feu, ou voilà, qu'il y ait des problèmes au niveau de l'électricité. Bien sûr, dans le cerveau, il n'existe pas de disjoncteur, et c'est de cette façon qu'on peut d'un coup être en colère et péter un câble pour un rien, et c'est comme ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de personnes qui font des atrocités, tout simplement parce qu'elles ont un corps qui est tellement acide que cette acidité, une fois qu'il passe dans le cerveau, eh bien, il provoque tout simplement une surcharge électrique. Et c'est ça qui peut provoquer des colères qui sont vraiment incontrôlables et qui n'ont au final aucune raison d'être. Cette acidité, qui est donc amenée par certains aliments, qui se retrouvent dans notre sang et qui ensuite passent dans notre cerveau, eh bien, ça peut provoquer des états d'excitation, de la violence, des insomnies, des migraines. Et en plus, cette acidité, une fois dans le cerveau, eh bien, il va brûler les nutriments que le cerveau a besoin pour pouvoir atteindre certaines fréquences qui font, eh bien, qu'on a l'esprit beaucoup plus clair, qu'on arrive mieux à réfléchir, mieux à penser.
C'est d'ailleurs également ces minéraux qu'on a besoin pour pouvoir augmenter notre taux et notre fréquence vibratoire propre au final à chacun. Et c'est cette acidité qui va faire qu'on va être colérique, qu'on va être qu'on va s'emballer pour pas grand chose, alors que parfois eh bien il y a de réelles raisons d'être énervé, d'être en colère, alors que tandis que des fois eh bien il n'y a aucune raison. Et c'est cette acidité qui passe tout simplement dans le cerveau et qui provoque un petit peu cette surcharge électrique. Et comme en plus nos pensées créent notre réalité, puisque tout simplement nos pensées sont de l'énergie, et donc elles créent ce qu'on pense créer notre réalité finalement, si en plus on est en colère, eh bien on va finalement avoir que des pensées qui vont être négatives, qui vont vibrer une fréquence tellement basse qu'on va attirer à nous et se créer une réalité qui sera complètement au final mauvaise pour nous. Et basé eh bien, sur une fréquence très basse. Ça peut être intéressant par exemple de pratiquer la respiration qui va être profonde et consciente pour tout simplement eh bien, oxygéner au maximum le corps, l'organisme et en plus le cerveau qui lui en plus consomme énormément d'oxygène et qui s'il en manque eh bien, ne peut également que dysfonctionner. Le plus intéressant ici est certainement d'aller respirer de l'air pur et notamment en forêt puisque tout simplement il s'y trouve ce qu'on appelle des ions négatifs et des arômes naturels qui permettent eh bien, au corps, au cerveau, à l'organisme dans sa globalité d'être en bien meilleur équilibre. Pour faire simple, les ions sont des fines particules qui sont chargées électriquement. Les ions négatifs qu'on va retrouver en milieu naturel, en forêt, voilà, en des coins qui sont vraiment naturels, eh bien, elles vont nous apaiser, nous détendre, et nous permettre de retrouver un état d'équilibre. Tandis que les ions positifs qu'on va retrouver notamment en ville, quand ça va être pollué, voilà, dans des endroits qui ne vont pas être purs, qui ne vont pas avoir un air pur, eh bien ça va plutôt nous stresser, nous fatiguer, et pourquoi pas nous amener de la colère. Il faut bien reconnaître que la première chose dont on a besoin pour être en vie, eh bien c'est forcément de l'oxygène. Donc si celle-ci n'est pas de qualité, si elle n'est pas apportée en quantité suffisante, eh bien le corps ne peut que dysfonctionner, et il ne peut que pencher vers le stress, la peur, la tristesse et des énergies tellement négatives comme celle-ci qu'on finit eh bien, au final par être en colère pour absolument rien. Maintenant, il est clair que ça peut être pour certaines personnes difficile de retrouver un air qui va être de qualité puisque tout simplement, voilà, suivant où on habite, on n'a pas forcément trop le choix par rapport à l'air qu'on respire. C'est pour ça que pour moi, ça, le plus intéressant, c'est de se concentrer sur la qualité de nos pensées et de notre esprit et la qualité de la nourriture qu'on va apporter à notre organisme. Puisque tout simplement, la qualité des pensées, de notre esprit et de notre alimentation, si celle-ci est bonne, eh bien, permettra d'apporter un équilibre à l'organisme et de se pencher plus vers des états positifs, des états de fréquence qui sont élevés, un état de conscience également qui est beaucoup plus élevé et qui va nous rapprocher plus vers la joie, le bonheur, le rire, etc. et qui seront eh bien, au final tout l'inverse et l'opposé de la colère. Pour avoir un meilleur état d'esprit, de meilleures pensées, eh bien, finalement, c'est un travail personnel qu'il faut faire sur soi de façon à, voilà, à s'améliorer et à nourrir son esprit de la bonne manière. Pour ce qui est de la nourriture, celle-ci va jouer également un rôle énorme sur nos ressentis et c'est pour ça qu'il faut apporter eh bien, une alimentation, une nourriture vraiment de qualité nous permettant vraiment d'être déjà en pleine santé mais en plus d'être dans un état d'équilibre et une paix au final intérieure. Par exemple, la viande que nous consommons, eh bien, vous le savez sans doute, elle est acide. Au final, aujourd'hui, eh bien, ce n'est plus forcément caché. C'est presque quelque chose que tout le monde sait. Par contre, ce que peu de personnes savent, c'est que cette viande est également très mauvaise sur le plan énergétique. C'est-à-dire que la plupart des viandes qu'on peut retrouver en grande surface, en boucherie, ou qu'on va avoir l'habitude de consommer, sont des viandes qui sont extrêmement acides, puisque tout simplement, ces animaux subissent un stress, ils subissent une modification génétique pour pouvoir eh bien, grandir plus vite et faire tout simplement plus d'argent pour que ce soit plus rapide. Ils sont également nourris avec des OGM, des organismes génétiquement modifiés qui ne sont pas du tout normalement censés consommer. Ils sont sous produits chimiques, sous vaccins, sous antibiotiques. Et tout ça, eh bien, sur un plan énergétique, sur un plan spirituel, ça rend leur énergie très mauvaise et quand nous on consomme cette viande, eh bien c'est tout simplement notre énergie spirituelle à nous qui en est impactée. Au-delà du fait que ces animaux nous servent de nourriture et donc à nous nourrir, ce sont quand même des êtres qui sont conscients à la même image que nous, ou en tout cas plus ou moins. Et le fait de les traiter de cette façon, c'est-à-dire dans des cages, modifier leur ADN pour qu'ils grandissent plus vite, pour qu'ils produisent plus,
les nourrir avec une mauvaise nourriture, leur injecter des produits, des vaccins, les stresser, etc., eh bien, ça les impacte énergétiquement. Et ça, eh bien, au final, c'est très mauvais, que ce soit pour nous, pour notre corps, mais également, voilà, pour eux, pour nous, mais aussi sur un plan spirituel, c'est très mauvais. Et ça, d'ailleurs, on en parle très peu, puisque tout simplement, on ne peut pas le mesurer avec des équations, avec des calculs, puisque tout simplement, on ne le voit pas à l'œil. C'est simplement au niveau de la conscience. Mais à l'avenir, eh bien, notre conscience aura tellement évolué qu'il ne sera pas normal de consommer des animaux qui n'auront pas été respectés. Déjà, ça ne sera pas normal de ne pas respecter tout simplement les animaux. C'est d'ailleurs pas pour rien qu'il y a dans certains peuples, dans certaines tribus, le fait que quand on tue un animal, eh bien, on le remercie, ou on le respecte en tout cas. C'est simplement au niveau déjà spirituel et énergétique, afin que la viande soit quand même le mieux possible pour notre corps. En tout cas, pour celui qui l'a tué. L'acidité dans notre alimentation est également provoquée par tous les sucres raffinés, par tous les produits bien sûr qui vont être transformés, par tous les produits laitiers, par tous les produits alimentaires comme par exemple les brioches, les pâtisseries, les viennoiseries, tout ça, tout ce qui est modifié comme ceci, eh bien, ça produit de l'acidité dans l'organisme. Ça va être également toutes les céréales qui vont être raffinées, ça peut être aussi par exemple les huiles qui sont hydrogénées, qui sont transformées, les fruits qui ne vont pas être mûrs, qui vont provoquer de l'acidité, les consommer également en fin de repas, consommer les fruits en fin de repas, au final c'est très mauvais, alors c'est marrant puisqu'on nous a appris tout l'inverse, qu'il fallait plus voilà, les consommer en dessert, alors qu'au final eh bien, leur digestion provoque de l'acidité dans l'organisme, si on les consomme à la fin du repas. Ça va être aussi également tous les sodas, mais aussi l'eau, si celle-ci n'est pas de qualité. Tous ces produits, au final, eh bien, l'un après l'autre, ça va toujours amener un petit peu plus d'acidité dans notre corps et faire en sorte qu'on peut par la suite être beaucoup plus en colère et voilà, avoir des pics d'excitation, de colère qui sont au final incontrôlables et qui n'ont pas raison d'être. A l'inverse, l'acidité peut aussi venir, par exemple, d'une déshydratation, d'une activité qui va être trop intense, d'un manque de sommeil, du stress, de plein de petits facteurs comme ça de ce type qui peuvent voilà, apporter toujours un petit peu plus d'acidité dans le corps. C'est d'ailleurs aussi comprendre que la base du corps doit également être, qu'on appelle aussi le terrain en naturopathie, doit être également épuré de façon à avoir vraiment un équilibre entre le taux d'acidité et l'alcalinité du corps, et donc d'avoir un équilibre qu'on appelle notamment l'équilibre acido-basique. On peut d'ailleurs commencer par faire une cure de détoxification pour tout simplement réduire l'acidité du corps, puis par la suite eh bien, changer progressivement son alimentation pour apporter une alimentation de bien meilleure qualité qui nous permettra d'être en meilleure santé, de réduire l'acidité dans notre corps, et par la suite d'être bien plus en paix avec nous-mêmes, ce qui forcément va limiter la colère qu'on peut avoir en nous. D'ailleurs, je pense personnellement que commencer par changer son alimentation pour calmer sa colère intérieure, c'est certainement l'une des meilleures façons de le faire, puisque tout simplement aujourd'hui, une grande partie de la population, si ce n'est tout le monde, eh bien consomme, enfin presque tout le monde consomme une alimentation qui est très mauvaise et que le corps n'est pas du tout censé recevoir, ce qui par la suite amène tout un tas de problèmes de santé, mais aussi des problèmes mentaux et voilà, de la colère et des problèmes de ce type. Alors si vous êtes encore en train de regarder cette vidéo, c'est que peut-être justement vous voulez en savoir encore beaucoup plus à propos de l'alimentation. Peut-être que vous cherchez à perdre du poids sans faire de régime, peut-être que vous cherchez à augmenter votre énergie, justement à retrouver un état d'équilibre et de paix grâce à ce que vous mettez dans votre bouche, peut-être vous mettre au sport, vous muscler. Eh bien moi ce que j'ai fait, c'est que je vous ai préparé en cadeau 6 vidéos de formation qui sont totalement offertes et qui vont vous montrer une vidéo après l'autre comment faire un changement alimentaire le plus simplement possible et le plus efficacement possible. Je vous invite à vous inscrire, c'est le premier lien dans la description. Vous rentrez votre email et un jour après l'autre, donc c'est-à-dire pendant 6 jours, je vous envoie une vidéo chaque jour pour vous aider progressivement. Regardez, c'est le premier lien. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.